Xigru, pourquoi tout ce... Ah ! Hiou ! Tous ces booms soudains me font sursauter et me font peur. Je t'avais dit que je n'aimais pas du tout les gros bruits. Mais on a des tractopelles, des bricoleurs et des camions grues, Coxigru. C'est notre travail de faire des gros bruits. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'explosion de la cheminée. Tu vas voir, elle va faire un méga bruit, genre... Badaboum ! Comme ça. Tu peux éviter de faire ce bruit. Quoi ? Même pas un petit badaboum ? Non, ça ne me plaît toujours pas. Oh. Ça va, Coxigru? Oui. Non. Enfin, je suis un peu nerveux pour être honnête, Léo. Et quelqu'un ne me facilite pas la tâche. Qui? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Utiliser mon ta-ta-ta-ta? Je ne fais que mon travail. Ça s'appelle un brise-roche. J'adore le ta-ta-ta-ta! Ah, oui, on sait. Une remorque qui arrive, une qui repart. Organisation parfaite. Tu veux prendre ces poutres, Dutton? Je reviendrai les chercher plus tard. Fais-en une pile bien rangée, s'il te plaît. Ouh. Ah! Ah! Scoop! Ça suffit! Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi! C'est Dutton qui a fait ce bruit! Tu appelles ça du bruit? Je me souviens avoir parcouru l'Islande un jour, avec un volcan en colère pour seul compagnon. Ça, on pouvait dire que c'était du bruit. Je devrais aller travailler dans un endroit plus calme. Peut-être que Bob et Zoé ont besoin de moi. Et Scoop, le démolisseur est en route pour aller démolir plus de murs. Bob? Bob? Zoé?